C'est l'exploitation où on est éleveur. Éleveur de nombreux animaux, vaches, moutons, volailles, chèvres, chiens, chevaux. Et dernièrement, nous avons eu 2 alpagas. Donc on produit de l'agneau pour la viande, 56 vaches allaitantes, de la limousine principalement, pareil, pour faire de la viande. Donc veau, broutard ou genisse à l'engraissement. Nous avons des volailles donc en vente directe, volailles coup nu. Quand je me suis installée en 2002, donc sur la ferme de mes parents, j'ai lancé la vente directe, je suis partie de zéro, donc je suis allée sur les marchés, vente directe en volaille, puis après en viande bovine et ovine maintenant. Donc c'est pour qu'on s'y retrouve, tout le monde s'y retrouve, les produits, enfin les consommateurs où ils savent ce qu'ils mangent et voilà, c'est local. Et nous, financièrement, on a une plus-value en le vendant en direct que aux marchands de bestiaux ou à la COP. Alors, on peut les retrouver au magasin, situé à Brion, un peu au-dessus de la ferme, et sur la map à Nancy. C'est dans le sang, l'agriculture elle est là, moi ça m'a jamais posé de problème, et puis bah, les animaux c'est ma passion, hein. Vu le nombre d'animaux sur la ferme. Dernièrement là j'ai ouvert la ferme au public en juillet, par le biais donc avec du tout public. Par la suite, on va ouvrir pour faire la médiation par l'animal et prochainement, là, je termine l'agrément pour être ferme pédagogique. Parce que je voyais bien qu'il y avait un besoin d'expliquer aux gens comment on produit, d'où vient la viande, les œufs, le lait, expliquer aux gens.